Ici, désolé. Pas de problème. Bon, c'est bon que je peux essayer comment prononcer Evrard. Evrard. Il n'y a pas de E à la fin. Evrard. Evrard. Nicolas. Nicolas Evrard. Nicolas France. Donc, nous sommes ici avec Nicolas Evrard. Il est un des développeurs principaux de Triton. Et on est ici pour montrer les projets, pour inviter les autres à participer du projet. Donc Nicolas, qu'est-ce que c'est Triton? Donc Triton, c'est un logiciel, un framework d'application écrit en Python, donc avec un langage assez simple à appréhender a priori, qui permet de faire des applications de management en gros. Donc, qui gère à peu près tout, depuis des logiciels pour des hôpitaux jusqu'à du stock, des processus comptables, etc., etc. Nicolas, qu'est-ce que tu fais dans le projet? Alors, dans le projet, bah, il y a, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme, allez, Batman. Donc, il y a Batman, c'est Cédric Crier. Et puis, il y a son sidekick. Je ne sais plus son nom, c'est. Robin, c'est Robin, c'est Robin. 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 En français, en tout cas, on dit Robin. Et ben, moi, je suis un peu Robin par rapport à Cédric, quoi. Donc, je suis là pour l'aider. Et quand il y a des méchants qui vivent dessus, je fais pouf! Et puis voilà. Donc, je fais un peu de review, je fais du code. Et puis, je bosse pour nos clients avec B2CK. Ok. Qui dirais-tu à quelqu'un qui voudrait travailler ou étudier ou développer avec Triton? Bah, si vous connaissez Python, c'est super bien, ça vous permet de commencer déjà très bien. Mais si vous connaissez pas Python, c'est pas grave parce que Python c'est super facile. Donc vous pouvez venir. Alors bah, l'idéal c'est de venir sur IRC, sur les mailing lists, commencer à connaître un peu comment fonctionne Triton. Et puis il y a des bugs qui sont plus simples que d'autres, qu'on essaye en général de les marquer comme plus simples. Vous les prenez, ça vous permet de vous familiariser avec les outils qu'on utilise, donc le code review, etc. Commencez par ce genre de choses. Et puis ensuite, en apprenant et en grandissant, ben, les gens passent à autre chose, je pense. Et voilà. Voilà. Et tu es un des développeurs principaux. C'est certainement beaucoup de travail. Pourquoi tu fais tout ça que tu fais? Ça, c'est une question difficile, je trouve. Ben, il y a d'un côté le fait que j'aime avoir mon indépendance et donc travailler pour moi, etc. Donc avec B2CK. Il y a le fait que c'est en Python et j'aime vraiment bien ce langage, c'est facile, c'est très expressif. Il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses. Et puis il y a le côté faire quelque chose en logiciel libre qui est très important aussi pour moi parce que j'y suis attaché depuis 2001, enfin plus ou moins à la sortie de l'université. Et donc comme ça, on collabore à faire quelque chose de bien pour tout le monde et mieux. Bon, après, évidemment, c'est un peu bizarre parce que Triton, c'est fort orienté ERP, donc entreprise, etc. Mais il y a aussi la partie GNU/ELS qui est très importante et qui monte, qui est là où on voit réellement qu'on est des gens. Après, on peut se dire que bah, même si on fait un ERP, le faire libre, ça permet de faire des choses mieux pour tout le monde. Parce que tout le monde ne peut pas s'offrir un ERP et pourtant avoir de bons processus. Ça permet aussi d'être mieux, quoi. Dans les entreprises, etc., on a rencontré comme ça un ressortissant africain qui nous expliquait, ben oui, chez nous, les gens, ils sont un peu brouillons, ils font pas attention à avoir un ERP qui cadenasse et qui permet de. C'est vraiment quelque chose d'important au final. Parce que oui, vous, en Europe, vous avez l'habitude, vous avez des lois, etc. Mais en Afrique, on n'a pas tout ça. C'est un peu simple, on fait comme on le sent. Ah, ça, c'est côté sympa et agréable, évidemment, mais il faut aussi parfois être un peu cadenassé pour que ce soit mieux pour tout le monde, quoi. Et le logiciel libre permet ça parce que bah voilà, ils viennent, ils prennent et ils travaillent. Et voilà, c'est bon. Et donc, quelques mots livres que tu veux dire de tout le monde pour participer dans les projets, une invitation pour participer?
Une invitation à participer. Ah ben, si vous voulez changer le monde, mais sans vous investir non plus dans un truc où vous débarquez dans la jungle, etc. Quoique, parfois, ça arrive un peu. Ouais, faut collaborer à Triton, quoi. Mais pas qu'à Triton, hein, il y a Mozilla, il y a tout ça, mais Triton, c'est bien quand même. Ok. Je sais pas si c'était bon.